une attaque armée à l'armée, c'est extrêmement violent. Donc maintenant, oui, j'ai eu le temps de prendre conscience. Je ne supporte plus la violence, de toute façon, quelle qu'elle soit maintenant. Et évidemment, je regrette cette violence. Ça, il faut que ça soit clair et net. On est parti en cavale en Espagne. Et ça a duré 30 ans. Bon, après en Espagne, après au Portugal, où j'ai ouvert une boutique de disques. Donc je me suis remis à la musique et peu à peu je me suis réinséré. L'alternative c'était continuer et me faire attraper un jour et partir en prison, parce qu'il ne faut pas rêver, ou couper les ponts, essayer de recommencer une autre chose ailleurs. Bon, il existait aussi une certaine, une lassitude hein, de toutes ces 30 années de cavale. Mon enfant qui venait de naître, donc on ne pouvait pas continuer comme ça, c'était impossible. Vous avez été jugé, 5 ans avec sursis finalement, donc vous êtes libre. Oui. Ça vous a surpris ce jugement ou pas? Oui, je m'attendais à aller en prison. Effectivement, je m'attendais à aller en prison. Personne n'aurait été surpris de me voir aller 5 ans en prison par exemple. Oui. Donc pour vous, c'est une seconde chance? Oui, tout à fait. Le tribunal a jugé l'homme que j'étais devenu, pas celui que j'étais.